Le voyage dans le temps a toujours fasciné les scientifiques, depuis qu'Albert Einstein a démontré, grâce à sa théorie de la relativité, que le temps et l'espace étaient liés. Ainsi, si d'un point de vue purement mathématique et théorique, on peut librement se déplacer le long de la dimension temporelle, comme on se déplace dans les trois dimensions de l'espace, d'un point de vue pratique en revanche, c'est loin d'être aussi simple, et c'est d'autant plus compliqué que voyager dans le temps engendre une multitude de paradoxes que beaucoup ne sauraient résoudre. Ok, ça me paraît bon. Je crois qu'on peut faire un premier test. Avec l'énergie dont on dispose, on a juste assez pour faire un saut de 4 secondes. Mais ça sera largement suffisant pour voir si la machine fonctionne. Si on dure plus longtemps, on risque de faire sauter le quartier. Oui, et je ne veux pas voir la tête de votre femme quand elle verra la note. Oui. Bon, allez, je m'y colle. Tu vas brancher la lime? Yep. C'est bon, je peux brancher? Vous allez pas griller sur place, c'est sûr? Ok, vas-y! À vous de jouer. Bon, j'ai réglé l'horloge à moins de 4 secondes dans le passé. Ton point de vue, tu devrais te rendre compte de rien. Mais moi, je devrais logiquement voir le compteur reculer. Ça a marché? Pardon? Ça a marché! J'ai remonté le temps! Vous avez abaissé le levier? Ok, monsieur. À vous de jouer. Mais pourquoi est-ce que ça a recommencé? Quoi? Qu'est-ce qui a recommencé? J'ai fait un nouveau saut et... Mais vous avez abaissé le levier? Ok monsieur, à vous de jouer. Mais vous avez abaissé le levier? Vous pouvez m'expliquer? Monsieur, à vous de jouer. C'est à moi de jouer, je sais. Mais là, c'est juste en train de foirer, figure-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Viens m'aider à lever ce putain de levier, tout de suite. Mais, vous avez abaissé. Ok, monsieur, à vous de jouer. Vous avez abaissé le levier. À vous de jouer. C'est un cauchemar. Je suis prisonnier d'une boucle, putain. Une fichue boucle temporelle. Quoi? Ok, monsieur. À vous de jouer. Ta gueule! Et trouve-moi une solution au lieu de répéter tes conneries! Mais. Vous avez abaissé le levier. Ok, monsieur.
À vous de jouer. Bon, pas de panique. Faut que je reste calme et que je réfléchisse. Ça ne va pas? Vous voulez qu'on reporte le test? Non, le test a déjà eu lieu, mais là je suis prisonnier d'une boucle, tu comprends? Quoi? Ok monsieur, à vous de jouer. Ça ne va pas? Vous voulez qu'on reporte le test? Mais vous avez abaissé le levier. Oui! Et c'est pour ça que je suis prisonnier de cette boucle! C'est un paradoxe! Un putain de paradoxe! L'alimentation. Vous pouvez m'expliquer? Bouge-toi, jamais d'habitude. Ok monsieur, à vous de jouer. Débranche-moi cette putain de prise! Quoi? Ta gueule! Ok monsieur, à vous de jouer. Et donc, voilà. En tombant, ça a débranché la prise. La boucle temporelle s'est rompue et je suis resté dans la prison.